We are at a beautiful site. We are surrounded by opportunity. That's what it's all about here. So I'm very pleased to introduce our next welcome speaker, Mr. Mustafa Bakuri, the president of Mazen. Please give him a warm applause as he enters the stage. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour ma part, je vais parler en français. D'abord, pour vous dire tout le plaisir et l'honneur pour Mazen et pour nous de vous recevoir ici, dans ce site qui évidemment n'existait pas au moment de la création du CIF. Et je voudrais aussi remercier le CIF, en la personne de Mafalda Duarte et toute l'équipe du groupe Banque mondiale, du groupe BAD, d'avoir décidé d'organiser cet événement ici à Ouarzazate. Et je crois que cela représente une grande symbolique. Parce que, de manière générale, pour la finance, et en particulier pour ce genre de fonds, souvent on se pose la question, mais à quoi ça sert? Je crois que cela nous permet de démontrer que la finance n'est considérée comme telle que si elle sait être utile. Et je crois que c'est l'un des enseignements, sans attendre de faire des évaluations beaucoup plus profondes, c'est l'un des enseignements que je voudrais mettre en avant tout de suite. C'est pour moi la finalité de la finance, c'est de faciliter le développement, c'est de faciliter les projets, c'est aussi de faciliter l'innovation. Parce que, et M. le ministre l'a rappelé tout à l'heure, il y a 9 ans, nous avons dû, au Maroc, nous résoudre à ce que le moment était venu pour que, contrairement à ce qui avait été fait depuis l'indépendance, le moment était venu pour que dans ce secteur énergétique, qui se trouve au carrefour des secteurs économiques et au carrefour du développement social, il était important de nous prendre notre destin en main en termes de planification stratégique. Alors que jusque-là, nous courions derrière les projets, nous développions des projets pour satisfaire nos besoins, qui, évidemment, progressait de manière importante. Et nous étions d'autant plus acculés à le faire que, désormais, il s'est posé à nous la question de gérer notre dépendance énergétique, qui, évidemment, comme vous le savez, c'est le cas de beaucoup de pays, est un élément important dans les politiques économiques. Et deuxièmement, nous étions arrivés à un moment où la problématique environnementale ne pouvait plus être uniquement présent dans les convictions. Elle devait se traduire dans les actes et dans les stratégies concrètes de développement. Le Maroc, au niveau le plus haut, au niveau de Sa Majesté le Roi, avait cette conviction. Et en 2009, il fallait combiner les deux objectifs. Se projeter à travers une stratégie énergétique qui nous permette de nous autoriser des ambitions de développement économique, mais aussi intégrer de manière concrète les impératifs et l'effort que notre pays a décidé de faire aux côtés de la communauté internationale en faveur de la limitation des changements climatiques. Et nous l'avions fait avec enthousiasme et avec audace, d'autant plus que nous avions détecté au niveau international des dynamiques en faveur des énergies renouvelables pour le secteur énergétique. En 2009-2010, nous avions constaté que les efforts de recherche et les budgets de recherche alloués à ce secteur étaient très consistants au niveau d'un certain nombre de pays. Et pour nous, ces efforts ne pouvaient pas ne pas se traduire par des résultats concrets sur la dynamique des énergies renouvelables, sur la performance des technologies renouvelables et sur les conditions économiques. De l'autre côté, nous détections aussi une plus grande sensibilité et une plus grande préoccupation des opinions publiques au niveau international à l'égard des changements climatiques. Et pour nous, cela devait se traduire aussi par la nécessité de stratégies réelles et des plans d'action concrets. Et à partir de là, un certain nombre de mécanismes commençaient à se mettre en place.
D'ailleurs, le CIF en fait partie. Et je pense que nous avions été parmi les premiers bénéficiaires du concours de ce fonds et du concours aussi d'autres soutiens que je voudrais saluer ici, puisque M. le ministre l'a rappelé tout à l'heure. Notre choix a été de nous engager dans une grande ambition, mais notre idée, c'est que cette ambition elle ne concerne pas que le Maroc. Elle est beaucoup plus collective, la problématique climatique concerne tout le monde, en fait. Et pour ça, il était important pour nous aussi d'entreprendre ces projets dans un cadre collectif, y associer les meilleurs dans chacun des domaines, les meilleurs acteurs financiers, les meilleurs développeurs, et je salue ceux qui sont présents avec nous aussi, les meilleurs ingénieurs, parce que, et nous en étions conscients dès le début, le combat que nous avions à l'époque, ce n'était pas uniquement de faire des projets pour satisfaire nos besoins, mais de démontrer que nous étions capables de rentrer dans une dynamique de compétitivité des énergies renouvelables. Il ne s'agissait pas pour nous, comme malheureusement, dans certains cas, on fait les renouvelables pour en faire des opérations de communication, mais pour faire des renouvelables, pour en faire une vraie alternative aux besoins énergétiques et donc au développement. Notre ambition de développement économique et social est telle, et elle n'est que représentative de ce qu'il y a dans beaucoup d'autres pays. Nous devons résorber les déficits sociaux. Nous devons exploiter de manière utile et vertueuse les potentiels économiques qui sont encore extrêmement importants. Et dans les économies d'aujourd'hui, l'énergie est une donnée importante. Seulement, nous voulions passer le message qu'il n'y a pas de fatalité à ce que l'usage de l'énergie se fasse au détriment du climat. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de réussir quelque part. Notre objectif d'atteindre 42% de notre mix électrique basé sur les énergies renouvelables est en passe d'être réalisé. Nos objectifs de 2020 seront atteints. Les objectifs de 2030 qui sont de 52% jusqu'à la dernière réunion, c'est devenu 52% minimum. Donc, ça veut dire que si on arrive à faire plus, ça sera bienvenu. Et donc, nous sommes en train de nous mobiliser tous pour faire en sorte que ces objectifs soient atteints. Ceci concerne le secteur électrique. Mais il est évident que notre ambition, c'est d'utiliser le renouvelable dans tous les domaines de l'énergie qui pourraient l'être. Nous allons pouvoir, à la faveur de ces résultats qui sont en train de se réaliser et qui renforcent notre confiance quant à la pertinence de ce choix, à passer à d'autres secteurs, à d'autres domaines, et donc à commencer à réfléchir aussi aux défis de demain. La mobilité durable, l'usage de l'énergie renouvelable dans l'agriculture, l'usage au niveau de l'efficacité énergétique, au niveau des bâtiments. Donc tout ceci sont encore des chantiers, je ne dirais pas intacts, mais sur lesquels nous avons encore des potentiels extrêmement importants qui permettront de démontrer qu'il n'y a pas de fatalité à ce que le développement économique continue de se faire en recourant à l'énergie, mais que cette énergie, d'abord, elle est disponible, et deuxièmement, elle n'a pas forcément les impacts que certains craignent, au contraire. Et c'est pour ça que dans tous nos projets, nous étions attachés dès le départ à ce que notre approche soit intégrée, dans le sens que nos projets énergétiques, et vous avez vu, et pour ceux qui n'ont pas encore visité, je crois que c'est prévu durant ces deux jours, nous avons choisi, même si notre stratégie ne se limiterait pas uniquement à ce choix, de développer des projets d'envergure qui permettent d'utiliser avantageusement le fait que notre pays dispose d'un réseau qui couvre pratiquement tout le territoire national. Et donc la démarche a été de développer les projets là où la ressource renouvelable est la mieux et à la meilleure qualité, de développer, de générer de l'électricité et de l'injecter dans le réseau. Parfois en utilisant aussi des stockages pour optimiser l'utilité pour ce réseau. Mais à chaque fois, nous nous sommes attachés à ce que ces projets, en plus de l'électricité qu'ils génèrent, produisent des effets positifs sur leur environnement immédiat.
En termes de développement local, nous avions par exemple été très attentifs à ce que les villages qui entourent ce site puissent bénéficier de désenclavement, d'électricité. Malheureusement, certains ne l'avaient pas à l'époque. Aujourd'hui, c'est le cas de tous les villages, d'avoir de l'eau potable et aussi de travailler sur l'inclusion. Et je crois que c'est aussi des sujets qui vont être abordés au cours de cette rencontre. Aussi veiller à ce que le tissu industriel national puisse prendre part à cette dynamique sur une base compétitive, c'est-à-dire que ces acteurs industriels puissent aussi faire l'effort qui convient de leur côté pour investir dans la formation, dans les outils, pour prendre part de manière avantageuse. En bref, l'idée, c'était de pas seulement développer des projets électriques, mais de créer un écosystème autour de la valorisation des ressources renouvelables. Et je crois que c'est ça la finalité d'un développement durable aussi, inclusif, et qui est la priorité de tous les acteurs de développement dans nos différents pays. Donc nous sommes ravis de saisir cette occasion pour partager avec vous cette première mi-temps, si je puis dire, puisque nous avons cette deuxième mi-temps pour tenir nos objectifs, d'en faire une occasion d'échange, mais aussi d'apprentissage, parce que j'ai vu la richesse des sujets qui sont abordés avec vous, les expériences diverses dans les nombreux pays où le CIF est intervenu jusqu'à présent, et nous sommes enthousiastes à tous les apprentissages que nous-mêmes, nous allons pouvoir en bénéficier. Et je voudrais évidemment remercier tous ceux qui sont venus de partout, remercier messieurs les ministres, remercier messieurs les ambassadeurs, de messieurs et dames les ministres et messieurs les ambassadeurs de venir ici et de contribuer au succès de cet événement. Et j'espère que les deux jours seront extrêmement bénéfiques, ce dont je suis certain. Et je vous remercie pour votre attention. J'ai laissé ce message après le discours de ce Bakouris Mustapha pour vous dire c'est vrai, ce que nous avons décidé c'est d'avoir un vrai développement inclusif. De toute façon, Sa Majesté nous a demandé maintenant d'évaluer le modèle socio-économique et de réfléchir ensemble pour avoir un nouveau modèle de développement socio-économique. Mais il est inclusif politiquement parlant. C'est un message. On ne peut pas avoir un développement durable. On n'a pas une vraie compétition politique, mais saine. Et ça, c'est un exemple dans le domaine du développement durable et des énergies renouvelables. Je suis dans le gouvernement. Monsieur El Bakouri est un des leaders. Il était même président d'un parti politique de l'opposition. Et vous voyez comment on travaille ensemble. Et c'est le vrai message. C'est d'avoir une compétition économique, sociale, politique, saine, mais d'avoir vraiment la confiance aux compétences nationales, quelle que soit l'appartenance. C'est une des clés de réussite de cette politique. Et on travaille ensemble. Mais il y a aussi la technocratie aujourd'hui qui occupe une place extraordinaire. Monsieur Hafedi n'appartient à aucun parti politique, ni de l'opposition, ni du gouvernement, de la majorité. Mais il est là pour développer, si vous voulez, l'électricité, l'eau, et dans une des plus grandes, si vous voulez, institutions stratégiques du pays. C'est vraiment un développement inclusif, même en termes politiques. Ça.